Good morning, bon matin, comment allez-vous? Choix du speaker ce mois-ci. J'ai dit de Simon Jodoin il y a quelques, presque deux ans à la radio de Radio-Canada, à l'émission La Sphère. Fallait que je choisisse trois profils, comptes, sites, choses que je suivais. J'ai choisi Simon et j'ai dit, pour justifier mon choix, qu'il était sur la piste de quelque chose. Maintenant, dans mes cours de littérature et de rédaction, on me disait toujours qu'il ne faut pas utiliser le pronom imbécile comme « on », il ne faut pas utiliser des mots comme « chose »,« patente »,« gogos », tout ça. Il faut dire des choses précises. Mais j'ai choisi ces mots-là pour parler de Simon. Il est sur la piste de quelque chose parce que ce que j'aime de cet homme-là, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il sait chercher. Et c'est ce qui le démarque, à mon avis, de ces chroniqueurs à la noix qui envahissent nos fils. Simon, c'est un vrai chroniqueur avec un grand C. C'est un homme qui regarde activement le monde passé, l'histoire se dérouler, et qui cherche les bonnes questions à poser pour qu'on puisse avoir un regard qui est un petit peu plus détaché de l'immédiat que ce qu'on a l'habitude. Alors, j'en dirai pas plus parce qu'il en a beaucoup plus à vous dire que moi. Je vous demanderai d'accueillir très chaleureusement le rédacteur en chef du Voir, un pionnier, s'il en est, dans l'univers de la numérisation des médias, M. Simon Jodoin. Alors, tel qu'il a été dit, mon nom est Simon Jodoin, je suis rédacteur en chef de l'hebdomadaire Voir, qui est maintenant bimensuel, mais on dit encore hebdomadaire parce qu'on a gardé l'habitude, de Voir.ca, de multiples projets, aussi directeur du développement web. J'ai 42 ans, je viens de l'est de la ville de Montréal. Une petite partie de mon travail, donc, est aussi de prendre position dans des chroniques, en écrivant des textes, parfois sur les médias sociaux, ou de réagir à certains phénomènes de l'actualité, à poser des questions. Je dis que c'est une petite partie de mon travail, parce que la grosse partie, c'est aussi d'abord travailler avec des gens, avec une équipe. Il y a tout un travail sous-marin dans les médias qu'on ne voit pas, qui n'est pas apparent. Alors, c'est beau, vous voyez une photo comme ça, avec une chronique qui apparaît. Il y a beaucoup de choses qui se passent dessous ça. Notamment, je dirige l'équipe de développement web et l'équipe de rédaction. C'est important pour moi de le dire, parce que prendre position dans les médias, c'est un privilège qui m'est accordé par mon travail, qui me permet, entre autres, d'obtenir beaucoup de likes, plus que la majorité des gens. C'est une nouvelle monnaie, une nouvelle devise dans l'économie de l'information. Mais aujourd'hui, quand on m'a parlé du thème choc, je me suis posé des questions, comme toujours quand je fais une chronique, je vais voir parfois l'étymologie des mots, je cherche un peu. Et il y a une expression comme ça qui est passée dans les usages, qui m'est revenue de mon enfance et de ma vie de jeune adulte, c'est « se choquer bon. ». En général, ce sont deux choses qui se choquent. Il y a un impact, mon deux voitures. Il y a une expression qui dit « se choquer », comme si on se créait un impact sur nous-mêmes. Et quand on était jeune, on disait « mais papa va se choquer ». En fait, papa allait se choquer contre nous. Mais on disait toujours « il va se choquer ». Et une des choses comme ça, ça va vous sortir complètement de l'univers des médias, mais une des choses que j'ai fait dans ma vie, où j'ai le plus appris, et encore aujourd'hui, tous les jours, j'ai des exemples de ça, ne serait-ce que dans la gestion des projets, des ressources humaines, apprendre à être créatif avec à peu près presque rien, bien souvent, ça a été de travailler dans les camps de vacances lorsque j'étais jeune. Tout petit, déjà, je fréquentais les camps de vacances et c'est devenu un peu mon travail jeune adulte. Dès que j'ai pu avoir la chance de travailler, c'est devenu mon job d'été et même plus tard, mon job à l'année. Et il y a une personne, je vais le nommer, il s'appelle Sylvain Seaborn. C'était au camp Kennebec, au début des années 90.
Nous accueillons dans ce camp-là des jeunes qui venaient des CLSC placés par les familles d'accueil. C'était des jeunes assez difficiles. Et on n'avait à peu près pas de moyens. C'est-à-dire qu'on avait un ballon, un papier à bricoler, et on nous envoyait comme ça 12 jeunes, 15 jeunes devant nous, une équipe. Il y a l'expression « petit monstre », mais on avait peur pour vrai. T'sais, bon, ils arrivent comme ça, et tu as 17 ans, 18 ans, tu essaies de contrôler tout ça, tu as eu une petite formation. Bon, et ce gars-là, qui était un as de l'animation, toujours travaille aujourd'hui comme travailleur social et thérapeute, il nous avait donné un conseil. Il nous avait dit, si tu te choques le premier jour, tu vas perdre le contrôle. Et je l'ai oublié longtemps dans ma vie, ce conseil-là, mais il m'est revenu justement avec la réflexion que j'ai eue cette semaine. Si tu te choques le premier jour et si tu te choques tout le temps, les jeunes ne t'écouteront plus. Et souvent, on perdait le contrôle comme ça. Les jeunes arrivent, ils arrivent au camp, c'est le premier jour. All right, on se lâche lousse. Et là, ils se mettent à tout casser. Là, toi, tu veux crier, hein? Et l'important, c'est de ne pas crier tout le temps, c'est de pouvoir moduler. À un certain moment donné, si on garde son calme, si on prend notre temps, si on les laisse déconner assez longtemps pour qu'ils s'essoufflent éventuellement, on va juste lever le ton un peu et ça va créer un plus grand impact. Si vous vous rappelez, peut-être comme moi, en tout cas au secondaire, les professeurs à qui on faisait la vie dure, ceux qui criaient et qui s'impatientaient le plus, c'était souvent ceux sur lesquels il était plus facile de prendre le contrôle et de tout déboussoler leur plan. Alors, c'est en pensant à ça, puis je l'avais oublié ce conseil-là, parce que, comme je vous dis, c'est une petite partie de mon travail de faire des chroniques, de prendre position ou d'entretenir une présence sur les médias sociaux, mais c'est une partie assez importante, et j'ai commencé ça il y a une dizaine d'années dans un magazine qui s'appelait le Bang Bang. J'étais un chroniqueur à l'époque. C'est de fil en aiguille comme ça que je suis devenu rédacteur en chef au Voir. Mais j'avais intitulé cette chronique-là, et là je voulais vraiment arriver, puis je dis, il faut frapper. Encore la notion, il faut faire de l'impact, il faut frapper. Alors le nom de ma chronique, c'était « L'abominable homme des cons ». C'est comme le Yeti qui va tous les manger un par un. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Les cons gagnent toujours parce qu'ils sont trop, comme disait Kavanaugh. Mais peu importe. Il y avait toujours cette idée de « Ah, il faut choquer, il faut... » Et c'est quelque chose qui fait partie du métier et de la réalité des médias. Ça prend une une qui tue, une une qui choque. Il faut que ce soit frappant, même un concept créatif, une publicité. Il y a toujours cette notion qu'il faut que ça crée un grand impact au point de choquer les gens. Et plus on choque, éventuellement, plus on fait du bruit. Et plus les gens parlent de nous. Depuis quelques années, depuis même plutôt quelques mois, surtout en passant au rythme bimensuel, à un certain moment donné, j'écrivais une chronique par semaine. Et j'ai eu envie de prendre un peu de recul, de me dire pourquoi on prend position, pourquoi il y a toujours l'urgence de dire quelque chose, alors que bien souvent, ce n'est pas nécessaire. Il y a une raison économique à ça, en fait. De plus en plus, d'ailleurs, dans l'économie des médias aujourd'hui, cette fameuse notion de « une qui tue », d'impact qu'on a avec la « une », elle n'existe à peu près plus. Pourquoi? Parce que la « une » du journal ou du site web, elle est disparue. Vous n'allez plus voir la « une » du journal. Vous regardez votre fil Facebook le matin, vous regardez Google News. Ces grands empires-là, et c'est de ça que je vais vous parler un peu, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ces grands empires-là, qui sont des monopoles mondiaux, ont réussi le tour de force de se présenter comme le front page de toute l'actualité. Ça fait qu'aujourd'hui, ce sont des gens que l'on suit, des gens qui doivent crier pour créer un choc. Et de plus en plus, c'est ce que j'ai remarqué depuis quelques années, et c'est ça qui m'a donné le goût de me détacher un peu de ce travail-là, de choquer, de prendre position pour tout et pour rien, de ruer dans les brancards, c'est de se rendre compte qu'au final, tout le monde crie pour attirer l'attention. Chacun devient un mini-média, chacun essaie d'avoir son propre choc, sa minute, et plus on va choquer, plus c'est partagé, je peux vous le dire, dès que ça choque beaucoup, c'est très, 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 très populaire. Mais à un certain moment donné, on se rend compte qu'on fait le jeu de toute cette économie-là, où au final, et c'est un peu la stratégie BuzzFeed, d'avoir des listes,
avec toujours un titre. On appelle ça du clickbait, vous le savez. Toujours un titre qui dit « La 13e photo va vous laisser sans voix ». OK, je vais être choqué. Et c'est ce qu'on cherche. Les grands concurrents aujourd'hui des médias locaux, eh bien, c'est ça. Et c'est comme ça que se passe le fil médiatique. Mais si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'au final, c'est pas si important que ça de vouloir choquer tout le temps, mais surtout d'être conscient pourquoi on le fait. Si on le fait, c'est justement parce que nous sommes perdus dans une espèce de flux continu d'informations. Nous sommes, j'imagine que vous travaillez pour beaucoup dans le domaine créatif, vous passez comme moi 15 heures par jour branchés sur un écran en marchant, tu sais, même en se déplaçant tout le temps, en écoutant une conférence, il y a toujours cette notion-là qu'on doit être branché en temps réel. Il y a quelque chose de totalitaire dans le fait de le dire. On doit être branché en temps réel. Et dans ce flux-là, des gens doivent crier. Et c'est la stratégie qui est employée bien souvent pour développer des contenus que les gens vont venir voir, crier, choquer. Pour moi, ce qui me choque le plus, c'est pas tant le fait qu'on doive choquer, c'est cette fameuse économie des médias-là qui s'est implantée. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai pas un profil très nationaliste et identitaire, mais je demeure très patriotique. Et il existe quelque chose qu'on appelle, à mon sens, l'écosystème médiatique, l'écosystème créatif local. Je prends l'exemple du Voir. Il y a des gens qui créent des pièces de théâtre, il y a des gens qui font des spectacles, il y a des médias qui en parlent. Il y a cet écosystème-là qui vit comme ça. À un certain moment donné, il y a des très, très grosses entreprises, Facebook, Google, justement, qui débarquent dans cet écosystème-là et qui pompent au même titre qu'on viendrait pomper des ressources naturelles, si vous voulez. Et ça serait un scandale si on le disait, ils viennent pomper des ressources naturelles sans payer de redevances. Eh bien, il y a un pompage de ressources culturelles qui est effectué tout le temps et nous y participons tout le temps en temps réel. Google, Facebook ont vidé des revenus publicitaires la plupart des médias. Ils en font d'ailleurs plus que tous les médias ensemble. Un exemple, Apple, c'est formidable, mais ils ont quand même trouvé le tour de force d'être à la fois le disquaire, le distributeur et l'appareil sur lequel on écoute la musique. C'est tout un écosystème d'économie locale qui s'est aplani. Pour le meilleur et pour le pire, j'en viens pas à la critique du résultat, mais simplement de constater que cet écosystème-là, local, s'écrase au profit de qui? De 1, 2, 3, 4 compagnies. Les 4 big, Google, Facebook, Amazon, Apple. C'est à peu près les 4 gros joueurs qui débarquent partout de manière mondiale. Et pour nous, ça cause un problème. Vous voyez, au quotidien, je suis beaucoup plus choqué à cause de ça que je peux l'être dans une chronique où je vais aller dire un gros mot, où je vais essayer d'impressionner les gens avec un effet de style. Au quotidien, le travail d'un rédacteur en chef et d'un développeur, directeur du développement web comme moi, c'est de garder le fort pour que le média qu'il y a derrière et toute l'équipe qui travaille, dont je vous parlais tantôt, puisse continuer. Parce que les attachés de presse des théâtres, les attachés de presse des artistes, des musiciens, ils n'ont pas arrêté d'appeler eux autres entre-temps pour avoir une entrevue, pour avoir un front page, ils veulent cette visibilité-là. Mais en attendant, nous, on se fait pomper de l'autre côté, notamment parce qu'on place consciemment de la publicité sur ces plateformes-là. C'est quand même fascinant quand on y pense, parce que imaginons qu'on reçoit une subvention, et je ne suis absolument pas contre les subventions, je suis pour les subventions, je veux plus de subventions pour les artistes, mais imaginons qu'on reçoit une subvention, qu'une partie de marketing est utilisé pour ces sommes-là, c'est tout à fait naturel. C'est vrai pour Musique Action, le Conseil des arts, le gouvernement du Canada, tout ça. Que cette subvention-là est prise et est déménagée chez une superpuissance américaine qui, elle, ne repayera même pas un sou de taxe qui pourrait éventuellement aller en subvention ici. Vous comprenez, il n'y a pas de boucle de rétroaction là-dedans, pas du tout. Il y a simplement de la ressource créative, culturelle, qui est pompée. C'est un travail pour lequel je ne crie pas sur tous les toits, justement. C'est la plus grosse partie de mon travail, c'est de répondre au téléphone, parler avec des gens, leur expliquer ça, et les convaincre éventuellement, un par un, que c'est excessivement néfaste, à mon sens, c'est mon opinion. Une histoire comme ça que je peux vous raconter, justement, juste pour dire comment ça ne fait pas de bruit.
ce choc-là, cette prise de position-là. Une artiste, cette semaine, a enregistré la chanson « Formidable » en marocain, en arabe. Vous l'avez peut-être vu. C'est La Bronze, son nom. J'avais peur de l'avoir oublié. C'est magnifique. Vous pourrez aller le voir sur voir.ca, évidemment. Mais, et donc, nous avions obtenu, en exclusivité de la part du gérant, la possibilité de mettre cette vidéo-là sur voir.ca. Ce que nous avons fait, on nous a envoyé un lien, qu'on appelle un lien d'embed, là, un petit code qu'on met pour que le player vidéo s'affiche. Je refuse systématiquement, pour ma part, de mettre une vidéo, un player YouTube sur notre site. Pour la simple et bonne raison, qu'il n'est pas question qu'en plus, j'utilise le travail de mes journalistes, le travail de mon équipe web, pour placer de la pub, parce que le player va afficher de la pub qui va chez YouTube sans que moi, j'ai rien. C'est un non-sens, selon moi. Mais, alors, on a un code, nous, sur notre site, notre script est fait comme ça, comme quoi c'est notre player à nous qui va embarquer, qui va bypasser celui de YouTube et qui va servir la vidéo. Ce gérant-là m'appelle, pas fâché, mais il nous écrit pour dire, écoutez, mes views sur YouTube ne montent pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vois 4-5 000 partages sur votre site, tout le monde en parle, c'est partout sur Internet, sur Facebook, mais mes views ne montent pas. Mais j'ai dit non, je dis, ils ne monteront jamais tes views. Parce que c'est moi qui fais jouer la vidéo. Je ne sais pas si tu vas être payé en view YouTube, là, mais moi, ici, ça ne se mange pas, ça. Tu sais, je ne peux pas dire ça à des gens. Eh bien, non. Bon, c'est une boutade, mais c'est vrai. Je suis dans les derniers gratuits, indépendants, à payer des journalistes, à payer du développement web, et tu veux des views YouTube. J'étais pas en colère, mais exaspéré un peu. Choqué. Mais je suis plus choqué là-dessus. Je suis relativement zen sur tout ça. Et je fais simplement expliquer. Et le gars, il me dit, écoute, c'est intéressant ce que tu me dis. Le pire, c'est que je suis d'accord, j'y avais jamais pensé. Ah ouais, c'est ça, ben là, on y pense ensemble, fait que agissons donc. Et là, il me dit, je vais changer ma stratégie. Parce que je savais que ce serait un hit. C'est magnifique, c'est vraiment beau, elle est vraiment bonne. C'est sur les toits de Montréal, on voit toute la ville, c'est une splendide vidéo. Alors, il me dit, je vais changer ma stratégie. Je voulais envoyer un communiqué de presse aujourd'hui pour dire que ça avait été vu 15 000 fois sur YouTube. T'sais. Mais je dis, je vais plutôt écrire, ça a été vu 15 000 fois sur voir.ca. Ben, je dis, mais c'est magnifique, fais ça. Et tu peux même dire que c'est un record pour un premier 24 heures de sauveur.ca. Tu peux même le dire. La conversation se termine comme ça. Je suis content de mon coup, il est content. Puis je dis, tu nous en enverras d'autres, il n'y a pas de problème. Et j'écoute le 15-18 à Radio-Canada le soir, en terminant de travailler. Et j'entends le dernier segment de la chronique culturelle où elle dit « Ah, avez-vous vu cette vidéo formidable chantée en marocain, en arabe? » Et ça a été viral sur voir.ca, et avec le nombre de vues. Et là, j'ai compris, vous voyez, il y a juste un mot qui a changé dans cette nouvelle-là. Juste un mot. L'artiste a été aussi vu. Après ça, il peut le mettre sur YouTube. Évidemment, ça devient viral. Il faut accepter de perdre le contrôle. Il ne faut pas accepter d'être des carpettes, par exemple. Donc, seulement le mot. YouTube avait été remplacé par voir.ca dans cette petite nouvelle-là. Pour moi, je l'ai remarqué tout de suite, évidemment, parce que c'est là que je travaille. Mais pour moi, ça changeait beaucoup de choses. Ça donnait une valeur à ce que des artisans, des créatifs, des gens d'ici font au jour le jour, au lieu de tomber dans une espèce de méga-structure anonyme qu'on nomme YouTube comme si ça allait de soi. C'est un peu ça, dans le fond, que je voulais vous conter aujourd'hui, qui est... ça peut vous sembler banal, peut-être que ça sort du choc un peu, mais peut-être vous laisser sur cette pensée-là. Je ne sais pas si ça fait 20 minutes, en fait, je n'avais rien préparé. J'espère que ça ne fait pas 25 minutes, par exemple, puisque vous devez aller travailler vous aussi. J'adore les vendredis matins, comme ça. Ces jours où on sait que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va faire la révolution, parce que demain, c'est samedi. Mais... Mais c'est l'Halloween en plus.
Je sais que vous veniez déguiser. J'ai pensé mettre mon sac de patates, mais je sais pas. Je vous laisse simplement sur cette pensée-là, justement, puisqu'on parlait de prendre position de tous les jours, sur tous les sujets. Vous savez bien que c'est impossible. Je veux pas nommer personne. J'ai fini de les nommer. Puis c'est vrai à droite comme à gauche, mais on peut pas enregistrer une émission de radio, écrire une chronique, être sur tous toutes les émissions constamment et avoir le temps de réfléchir à ce qu'on va dire. C'est impossible. Le travail de fond est beaucoup plus lent, beaucoup plus long pour arriver avec quelque chose de pertinent. Et c'est peut-être cette idée-là que j'ai écrite il y a quelques années. J'aime pas m'autociter, mais cette phrase-là, je l'ai gardée. C'est que l'engagement, au fond, c'est pas prendre la parole. L'engagement, c'est donner sa parole. C'est faire une promesse. Ça, souvent, ça fait pas beaucoup de bruit. On n'a pas besoin de ruer dans les brancards. Il n'y a pas des grandes esclandes qui se font autour de ça. Mais c'est ça, un réel engagement. C'est donner sa parole. C'est pas simplement crier. Merci beaucoup de m'avoir écouté.